les calmes paysages des campagnes françaises, les trains se glissent, remorqués par de puissantes locomotives à vapeur. Que de progrès depuis la vénérable fusée de Stephenson, qui serait aujourd'hui plus que centenaire. Cependant, pour l'équipe qui passe de longues heures à son bord, quelles conditions de travail offre une locomotive à vapeur? Gêné par le long corps cylindrique qui le précède toujours, le mécanicien ne dispose que d'un faible espace pour observer la voie et les signaux. Par les froids les plus intenses et par la pluie, il doit rester debout, penché, tandis que son compagnon, inconfortablement installé à cheval sur la machine et le tender, engouffre sans relâche des tonnes de charbon dans le foyer. La fumée complique encore la tâche de l'équipe, en se rabattant sur toute chose qu'elle salit au passage. Nous qui sommes sensibles à la poésie vivante de la locomotive à vapeur, pensons-nous parfois qu'elle impose à ses serviteurs une tâche aussi rude que celle du mineur? Comme la locomotive électrique nous paraît par contre spacieuse, moderne, agréable à accompagner, le conducteur électricien, à l'abri des intempéries, embrassant sans effort toute la voie d'un seul coup d'œil, à travers le cercle de l'anti-buée, est placé dans les conditions idéales pour assurer la sécurité au lourd convoi dont il a la responsabilité. Par son contact continu avec la caténaire, reçoit le courant électrique à 1500 volts. Discipliné par un mystérieux appareillage qui exige plus de 5000 mètres de fil, il va animer 4 puissants moteurs de chacun 1000 chevaux. Mais la moderne 2D2 que nous accompagnons a eu des ancêtres qui nous font maintenant sourire. 1893, la locomotive à accumulateur du Nord. 1894, la locomotive thermoélectrique Heilmann, puis deux projets qui ne virent pas le jour. 1895, une machine de 300 chevaux circule près de Saint-Germain. Depuis, les locomotives électriques captent leur énergie à l'extérieur. 1897, la première locomotive du PLM. 1900, les premiers tracteurs de la banlieue ouest qui sont toujours en service. 1924, les rames métalliques de la banlieue Saint-Lazare. 1937, le matériel moderne de la banlieue Montparnasse. Et les célèbres rames Bud, qui atteignirent 187 km/h. Les locomotives de 1900 de la compagnie d'Orléans, modifiées, circulent encore. 1910, brève apparition du courant alternatif en France. 1921, première locomotive à 1500 volts, continue. 1923, première locomotive à grande vitesse. 1924, les prototypes de la compagnie d'Orléans pour Paris-Vierzon, dont l'un donne naissance aux 2D2 actuels. 2D2, c'est-à-dire 4 essieux moteurs, D, encadrés par 2 bogies porteurs. Il existe plusieurs types de 2D2. Le type 700, le type 500 ouest, puis, fonçant en pleine vitesse, les récentes 5500 du sud-ouest. Suivons la 5550 qui va assurer un train. Tantôt monte, les compresseurs ronflent. Quelques minutes à peine de préparation et, après l'enchevêtrement des aiguilles d'avant-garde, cette machine de 130 tonnes va accoster doucement son convoi. Une légère poussée, imperceptible aux voyageurs, voilà qui dénote déjà une certaine adresse.
exposition rétrospective imprévue. Où est-il le temps où cette modeste 030 représentait le dernier cri du progrès? Mais voici l'heure du départ. Un léger effort. Le contrôleur au premier cran. Le servomoteur obéit aussitôt. 350 ampères. Le conducteur surveille le démarrage, attentif à son ampèremètre et au patinage. Doucement, mais irrésistiblement, le train de 700 tonnes s'ébranle. Au début, les moteurs restent couplés en série. On ne leur applique ainsi que le quart de la tension. Chaque position du contrôleur est répétée par un servomoteur actionnant les contacteurs de la partie haute tension. Les résistances insérées dans le circuit de traction sont progressivement éliminées. La vitesse s'accroît. Dernier cran du couplage série, le contrôleur est ramené à zéro. Le conducteur passe au couplage série parallèle. Les moteurs fonctionnent à la moitié de la tension. Les résistances sont de nouveau éliminées. Facilement, les pantographes s'abaissent au passage des ponts. Balayés sur une large surface par la caténaire, les frotteurs des pantos captent un courant de près de 2000 ampères. De la même façon que précédemment, les moteurs sont maintenant couplés en parallèle. Lorsque les résistances seront une troisième fois éliminées, la vitesse maxima sera atteinte. Nous voici à 100 km/h. 3 minutes se sont écoulées depuis le départ. La vitesse continue à croître. Et à bord de la 5550, aucune vibration, aucun mouvement parasite. Le convoi glisse avec une saisissante impression de puissance. Ces lignes à haute tension amènent au chemin de fer l'énergie produite dans les usines. D'abord, dans des usines hydroélectriques, avec leurs lacs artificiels et leurs barrages. Tapis au pied de la haute muraille, l'usine renferme principalement les alternateurs entraînés par des turbines. Ces groupes sont à axe vertical. L'alternateur dominant la turbine. La construction d'un barrage est certes une œuvre gigantesque, entraînant des dépenses considérables. Mais l'énergie électrique ne servira pas que le seul chemin de fer. Elle alimentera nos industries et augmentera notre confort. Produit à une tension de 5500 à 12 000 volts et sous forme triphasée à 50 périodes, le courant voit sa tension élevée à 220 000 volts pour son transport vers les lieux d'utilisation.
Les grosses centrales thermiques, répandues dans la région parisienne et dans le Nord, utilisent, pour entraîner les alternateurs, des turbines à vapeur. Les groupes sont alors à axe horizontal. Le charbon de mauvaise qualité peut être consommé dans ces usines modernes dans les meilleures conditions de rendement. Ceci ne peut se faire, faute de place, sur une locomotive vapeur qui, par ailleurs, réclame un excellent combustible. Enfin, le charbon brûlé dans les centrales n'alimente pas que des locomotives. Il devient utilisable à des fins multiples. La production des usines thermiques et hydroélectriques est soigneusement dosée et, grâce à l'interconnexion, il est aisé de pallier immédiatement à la défaillance de l'une d'elles. Parti à 220 000 volts, le courant va être abaissé dans quelques postes convenablement répartis, à 90 ou 60 000 volts, et dirigé de là vers les sous-stations de traction. Espacés de 15 à 25 km, leur rôle consiste à abaisser la tension à 1500 volts et à redresser le courant alternatif triphasé en courant continu au moyen de commutatrices ou de redresseurs à vapeur de mercure. Cette extraordinaire toile de fil qui obscurcit le ciel, combien représente-t-elle de calculs et de matériaux? Suivant leur type, les pylônes pèsent de 1000 à plus de 3000 kg. La longueur des fils supportés équivaut à 3 ou 4 fois le kilométrage des voies qu'ils surplombent. La section des caténaires équivaut à environ 400 mm² de cuivre. De la 2D2 Ouest que nous accompagnons maintenant, nous retrouvons la puissance, la souplesse, la tranquillité de la 5550, comme en témoignent les faibles déplacements relatifs des tampons. Les locomotives type 2D2 parcourent plus de 220 000 km entre révisions. Toutes celles antérieures à 1942 ont à leur actif plus d'un million de kilomètres. Certaines en ont même plus de 3 millions. Nous avons vu que la commande des usines génératrices était centralisée. De même, les sous-stations de traction des 211 km de la ligne Paris-Le Mans sont contrôlées du poste de la rue Falguière. Un tableau synoptique lumineux renseigne sur tout ce qui se passe en ligne. Une lampe clignote, anomalie à la sous-station La Loupe. Immédiatement, l'agent de surveillance téléphone pour avertir les équipes de secours. Quelques manœuvres simples suffisent pour mettre hors circuit à plus de 100 km la sous-station déficiente. Son travail sera fourni par un effort supplémentaire des deux sous-stations voisines. Le train roule. Pour lui, il ne s'est rien passé. Plaine ou montagne, le voyage propre, confortable, continue pour la plus grande joie des yeux. Pas d'escarbille, pas de voile de vapeur pour masquer les beaux paysages traversés.
indifférente aux éléments qui se déchaînent, la 5550 avec ses 4000 chevaux, ne nous apparaît-elle pas un peu comme une nouvelle force de la nature? Dans aucun transport, la sécurité n'a été poussée aussi loin que sur le rail. Paysage des campagnes françaises, les trains se glissent, remorqués par de puissantes locomotives à vapeur. Que de progrès depuis la vénérable fusée de Stephenson, qui serait aujourd'hui plus que centenaire. Cependant, pour l'équipe qui passe de longues heures à son bord, quelles conditions de travail offre une locomotive à vapeur? Gêné par le long corps cylindrique qui le précède toujours, le mécanicien ne dispose que d'un faible espace pour observer la voie et les signaux. Par les froids les plus intenses et par la pluie, il doit rester debout, penché, tandis que son compagnon, inconfortablement installé à cheval sur la machine et le tender, engouffre sans relâche des tonnes de charbon dans le foyer. La fumée complique encore la tâche de l'équipe. Sur toute chose qu'elle salit au passage. Nous qui sommes sensibles à la poésie vivante de la locomotive à vapeur, pensons-nous parfois qu'elle impose à ses serviteurs une tâche aussi rude que celle du mineur? Comme la locomotive électrique nous paraît par contre spacieuse, moderne, agréable à accompagner,